Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ma méthode d'oralisation de l'écriture syllabique. Voyons le son en avec les lettres E, N. Comme par exemple une dent ou encore une pente. Une tente, le vent. Commençons avec l'arbre aux syllabes, avec par exemple B, E, N. Bon, C, E, N, sang. D, E, N, dent. F, E, N, fan. G, E, N, Jean. Tout comme J, E, N, Jean. L, E, N, lent. Ment avec M, E, E, N, ment. Non, N, E, N, non. Pont avec P, E, N, pont. Temps, T, E, N, temps. Rang, R, E, N, rang. Sang, S, E, N, sang. Et enfin, vent, V, E, N, vent. Voici donc les syllabes de base. À partir de ces syllabes de base, voyons la construction des mots. Tout d'abord, ici, le mot dent, que l'on écrit avec la lettre D, E, N, T. Dent, car on peut dire un dentier. Ici, le mot pente, avec P, E, N, pan, T, E, te. C'est une pente. Ici, une tente. T, E, N, tent. T, E, te. Tente pour le camping. Et enfin, ici, le vent. Que l'on va écrire avec un V, E, N, T. Vent. Car on peut dire venteux. Passons à un petit jeu où je vais donc récupérer les images, les mélanger et à vous de retrouver l'orthographe des mots. Cette image représente quel mot et comment s'écrit-il? Ce mot représente une tente et voici son orthographe. T-E-N, tent, T-E. Te, tente. Voyons une autre image. Cette image représente quel mot et comment s'écrit-il? C'est le vent. V-E-N-T, vent. Car on peut dire venteux. Et cette image, quel est son nom et comment l'écrire? C'est une pente. P-E-N, pan, T-E, te, pente. Et enfin, cette image représente quel mot et comment s'écrit-il? C'est une dent que l'on écrit D-E-N-T, dent. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez.
partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi avec les liens qui s'affichent et qui sont cliquables pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.